Le 17 avril 2021, seules 30 personnes pandémie oblige ont assisté aux obsèques du prince Philippe. Pour l'occasion, 4000 de retenues rendent hommage au terrain des travers sa tenue. On assiste aux obsèques du mari d'Elisabeth II, prince Philippe et la duchesse de Cambridge rendu un hommage subtil à Elisabeth II et par la même occasion Lady Diana. Vêtue d'une tenue entière en noir, 4000 vont respecter les traditions lors des obsèques du prince Philippe. Toutefois, la duchesse est allée encore plus loin, rendant un bel hommage à travers sa tenue. Oui, nous sommes Angleterre, 17 4000 ou duchesse de Cambridge entre les funérailles du prince Philippe et du duc d'Édimbourg au château de Windsor le 17 avril 2020 était un Windsor, Angleterre. Photo Getty image en effet qu'elle apporte des bijoux qui appartiennent à la reine, un geste qui a beaucoup touché les membres de la famille royale. Il s'agit de boucles d'oreilles perlées d'un collier 80 perles. Oui, nous sommes Angleterre, 17 4000 ou duchesse de Cambridge entre les funérailles du prince Philippe et duc d'Édimbourg au château de Windsor le 17 avril 2020 était un Windsor, Angleterre. Photo Getty image qui prend par la même occasion un bel hommage de princesse Diana qui avait également porté ses mêmes colliers en 1982 aux côtés du défunt. Et l'occasion d'un banquet donné par le prince Clotaire et Beatrix des Pays-Bas. Le collier avait été offert le raid par le gouvernement japonais fabriqué par Gara. Pour ce qui est des boucles, elles avaient été offertes à la reine par le roi du Bahreïn comme cadeau de mariage après ses noces avec le prince Philippe en 1947. Oui, nous sommes Angleterre, 17 4000 ou duchesse de Cambridge entre les funérailles du prince Philippe et duc d'Édimbourg au château de Windsor le 17 avril 2020 était un Windsor, Angleterre. Photo Getty images, ces gestes émouvants viennent tout simplement s'ajouter à celui du prince William. Quelques jours avant les funérailles, le prince William a partagé un hommage sincère au prince Philippe, son nom au nom de la duchesse Kate et de leurs enfants. Suite au décès de son mari, la reine Elisabeth II devait passer 30 jours loin de la vie publique. Toutefois, elle décidait de briser ce protocole de vacances ses occupations après les funérailles du prince Philippe. Les reines Elisabeth II et son mari, le prince Philippe. Photo des images.